Mes salutations le plus distinguées à votre personnalité. Au nom de tous les jeunes Congolais touchés par cette situation d'insécurité dans l'est du pays, précisément à la Douma, nous tenons à lancer à nos compatriotes victimes d'une guerre injuste ces messages de paix et réconfort. Il y a actuellement plus de 20 ans que nos frères et papas, mamans sont tués, nos mamans et sœurs violées, les sang de nos compatriotes qui sont versés chaque jour dans l'est du pays général et à la ville de Goma en particulier. Pendant ces temps, un grand silence règne au niveau de la communauté internationale. Il est maintenant temps, chers compatriotes, de réunir nos forces et efforts, de ne plus compter sur l'appui des autres pays et organisations qui nous ont abandonnés toujours quand on a besoin de leur soutien. Debout Congolais, étant jeunes ensemble comme un seul homme, soutenons l'effort des chefs de l'État et nos forces armées qui depuis toujours luttent jour et nuit pour trouver les stratégies nécessaires pour mettre fin à cette guerre injuste dont nos frères et sœurs sont victimes. En conclusion, le monde regarde avec amertume la barbarie de l'humanité avec les regards coupables, sans cœur, indifférent de la communauté internationale. Nous sommes témoins de l'histoire. Nous avons un message fort à adresser à nos compatriotes de l'Est qui luttent seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, contre vent et marée, à la sauvegarde de l'unité du Congo au prix de leur sang. Veuillez agréer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Que Dieu protège l'Est et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. J'ai voulu prendre la parole par rapport à tout ce qui se passe, mais j'avais peur de me faire lyncher un peu sur les réseaux parce que je n'ai pas forcément les connaissances adéquates pour établir un débat. Hier soir, je me suis vraiment posée devant mon téléphone et j'ai pris le temps de regarder tout ce qui se passe. Je me suis renseignée sur le génocide au Congo. J'ai vu des vidéos qui m'ont vraiment brisé le cœur. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, qui sont actuellement en train de perdre leur vie. J'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui raconte son témoignage. Elle s'est faite violer plusieurs fois par un chef. Les femmes se font
sont violées, elles ont des déchirures, elles ont des blessures, elles sont au bout de leur vie, elles subissent des infections à cause des viols. Les hommes travaillent dur, il y a des bébés qui travaillent. Tout ça pour gagner 20 dollars et encore, ils se font torturer avec. Et imaginez juste les conditions, s'il vous plaît. J'ai vraiment pris le temps d'aller en profondeur jusqu'à regarder des vidéos hyper trash où il y a des gens qui se font... Ce génocide, il a lieu... Pourquoi ? Puis toujours, on a toujours su que le Congo, c'est vraiment le pays le plus riche en ressources. Nous avons du pétrole, nous avons du cobalt. C'est pour ça que tout le temps, il y a du pillage là-bas. Le cobalt, c'est surtout une matière qu'on utilise pour la fabrication des téléphones. Et même quand je vois le mien, je suis en mode dachite et en pierre. À chaque fois, on voyait des trends où ils disaient « Rwandais, hasard Rwandais », mais on comprenait pas vraiment pourquoi. Moi, je ne vous mens pas, j'étais la première à en rigoler parce que je pensais que c'était juste des plaisanteries. Alors que non, c'est juste un signal d'alarme que les Congolais se donnent entre eux pour pouvoir fuir quand ils voient un Rwandais. Mais on ne comprenait pas, on pensait que c'était des blagues, bien sûr. J'ai vraiment envie de dire, j'ai 1 million d'abonnés, ce n'est pas pour rien. J'ai vraiment envie de sensibiliser les gens. Moi, de base, la politique, je ne m'y connais pas. La politique, je n'en sais rien. Mais j'ai vraiment envie de prendre parti par rapport à ça. Venez, on défend pour de vrai les pays qui en souffrent. Je ne suis pas la mieux placée pour vous parler de ça, mais c'est un sujet qui m'a vraiment touchée. Que ce soit pour le Congo, pour le Sénégal, pour peu importe le pays. Peu importe, vraiment, on est ensemble. Force à vous et voilà.